Ben là, laissez-moi le temps un peu, là. Bon, OK, ça suffit. On est un peu en mode vacances aujourd'hui, là. Bonjour tout le monde. Finalement, je veux remercier les commanditaires, le groupe Nature Belle-Île et La Vie Agricole. On a décidé d'un commun accord de poursuivre. Peut-être que c'est une mesure d'urgence pour essayer de se remonter le moral ces temps-ci. Là. C'est pour ça que je suis rentré sur une petite musique reggae, parce qu'aujourd'hui, là, comme dirait l'autre, c'est la clavicule. C'est quoi ça, la clavicule? C'est la canicule. Il fait presque 20 degrés. Je ne sais pas chez vous, là. Mais ici, je vous roule des images là, que je viens de prendre à l'extérieur. Là. La neige est pratiquement disparue. Il n'y a plus rien. C'est assez... je vous dirais que c'est une température d'automne. Moi, ça me fait penser... Je veux pas augmenter votre stress, là, mais ça me fait penser, la période qu'on vit présentement, ça me fait penser à un film de Stephen King que j'avais vu il y a très, très longtemps. Peut-être que vous l'avez vu, vous autres. Ça s'appelait The Stand. C'est un film qui est très, très long. Là. Je pense que c'est disponible sur YouTube. Là, je vous en passe quelques extraits, là, ça roule. Et c'est l'histoire de l'humanité qui est confrontée à un virus qui s'échappe d'une base militaire de recherche ultra-secrète aux États-Unis. Et là, finalement, ben, le virus se répand partout. Ça a l'air à procéder dans l'air. Et les gens meurent comme des mouches. Là. Puis là, on voit l'état de panique d'un continent à l'autre, d'une place à l'autre. C'est vraiment la pandémie. Là. J'avais vu ça peut-être il y a 15 ans, 10 ans. Et t'as l'impression de revivre ça. Moi, je suis plus capable d'écouter les nouvelles. Là. Je ne sais pas pour vous. Là. C'est un peu une thérapie que je fais avec vous. Là. Je suis plus capable. T'écoutes les nouvelles en continu. T'écoutes CNN. T'écoutes France 24. France Info. T'écoutes toutes les postes NPR aux États-Unis. C'est toujours, toujours le même sujet. Ça n'arrête pas. Et là... Je ne sais pas comment vous vivez ça, vous, la pandémie, à la ferme, parce qu'il faut quasiment rester en confinement. Moi, je vous donne l'exemple, je suis diabétique, alors j'ai un système immunitaire qui n'est pas à son maximum. Là. Moi, je ne combattrai pas la génétique. Là. C'est clair, là, demain matin, moi, là, si j'attrape de quoi, ça se peut que je tombe rapidement. Difficulté au niveau des bronches aussi, je fume comme un trou, bref, je n'aide pas ma cause. Alors, je ne peux pas sortir. Et là, bien, évidemment, ça porte à réflexion. Je ne sais pas pour vous, là, tu sais, je veux dire, ça fait quelques jours, là. Mais si ça dure des mois et des mois, moi, j'en suis venu à me poser la question suivante. Nous autres, on vit à la campagne. Peu importe la taille de notre ferme, grosse ferme, petite ferme, moyenne ferme, ferme industrielle, peu importe la taille, souvent, on a de la terre aussi de rattacher à ça. On a des animaux, petit élevage, gros élevage, peu importe. Techniquement, la personne qui reste à la campagne dans des situations comme on vit actuellement, moi je pense que c'est la personne qui est la plus avantagée. C'est la personne qui subit le moins d'inconvénients, même si on en subit aussi. Là, tu sais, je veux dire, les commerces de proximité, il n'y en a pas beaucoup. Si ça ferme, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vous donne l'exemple. Là. Nous, on est une région frontalière. Alors, de l'autre côté, le village... C'est Fort Covington, puis techniquement, c'est notre village ici. Donc, il faut qu'on traverse régulièrement la frontière. Et là, la frontière va se fermer aujourd'hui, là, dans la nuit de vendredi à samedi. Et pendant que je préparais cette capsule-là tout à l'heure, la sirène d'incendie au village a calé les pompiers. T'sais, nous autres, on est encore dans cette époque-là où les pompiers t'appellent avec la sirène, entre autres. Eh bien là, qu'est-ce qui va arriver avec la frontière? Est-ce que ça va être ralenti? Est-ce que le transit des premiers répondants va être ralenti pour des vérifications augmentées? Je comprends que c'est un service essentiel, mais nous, on dépend des États-Unis. Les ambulanciers, moi, je tombe malade, il faut que je parte en ambulance. Il faut que je signale le 518 avec le numéro de téléphone. Là. Je ne prendrai pas le 911 parce que le service est à côté. C'est eux qui nous desservent. Alors, on fait quoi? On fait quoi? La mairesse me dit que tout est sous contrôle, mais là, la frontière se ferme. Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a un backup qu'on doit faire avec le Québec? Ou si ça va se faire naturellement avec les Américains? Il y a plein d'inquiétudes. Et l'autre affaire, là, on est chanceux d'être à la campagne, on a de l'espace. T'sais, on peut aller marcher ailleurs que sur le trottoir, t'sais, si la fuse commence à nous sauter, si on a des attaques de panique. Moi, j'espère que l'ordre des psychologues va mettre une ligne spéciale ou des équipes spéciales sur place
pour que les gens qui vivent de l'anxiété dans ce confinement-là, parce que là, les dirigeants nous en disent un petit peu à chaque jour, mais moi, j'ai l'impression, là, je ne suis pas un devin, là, mais je pense que ça va durer plusieurs mois, là, cette affaire-là. Là. On ne retournera pas à la normale avant l'année prochaine. Là. Alors, j'espère qu'il y aura des psychologues qui pourraient être à l'écoute des gens au téléphone, tu sais, pour essayer de calmer la détresse. Là, on ne se mettra pas tous ces antidépresseurs, quand même. Alors, moi, je pense que le gouvernement Legault, c'est une juridiction provinciale, devrait parler à la RAMQ et débloquer des fonds. Débloquer des fonds pour qu'il y ait des psychologues on-call, comme on dit, qui pourraient être sur appel. C'est sûr que ça va être débordé, probablement, mais le fait d'offrir ce service-là, moi, je pense que ça peut faire partie du coffre d'outils, là, parce que moi, je vous le dis personnellement, là, ça commence à me stresser. Puis en plus, ben, on a des réfugiés de Montréal, nous. Ben oui, les enfants, les deux plus jeunes sont ici. La plus vieille est à Québec, mais les deux plus jeunes sont ici. Moi, avant, il y a des inconvénients pour tout le monde. Mais c'est juste pour vous illustrer qu'on change complètement notre vie. Là. Avant, moi, le jour, il n'y avait pas de bruit ici, à part les vaches, les boucs, le poulailler, un tracteur, et c'était là. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit. Là, c'est rendu... c'est plus ça, là. C'est rendu Montréal s'est invité à la campagne, là. Je dis ça avec de l'ironie, là. On a tous un devoir de solidarité, mais je ne dois pas être le seul à vivre ça, là. Autant pour les enfants qui arrivent ici dans un mode assez slow-mo, merci, se sentent en prison. Ils se sentent en prison ici, là, ils disent « il n'y a rien à faire ». Oui, il n'y a rien à faire. Hey, moi, j'aimerais pas être à Montréal, là, parce que là, on s'entend-tu qu'il n'y a rien à faire, là? Quand tu ne peux pas sortir de ton appartement, ça doit être épouvantable. Le gars, l'autre bord du mur, là, tu ne sais pas s'il est portable. Puis lui-même, il ne sait peut-être pas. Fait que là, on va arrêter de paniquer. Mais c'était pour vous dire qu'on est chanceux de vivre en ruralité. Je parlais de ça avec ma blonde, là. Techniquement parlant, là, s'il y a une pénurie dans la bouffe, s'il y a une pénurie dans les légumes, on commence les ensemencements, nous autres, bientôt. Là, le printemps est ici, il va faire chaud. Là, aujourd'hui, quasiment à 20 degrés. Moi, je pense qu'on peut toffer un an ou deux. On peut toffer un an ou deux. Moi, je pense que les gens dans l'avenir... Là, j'écoutais un spécialiste, je vous laisse là-dessus. Là. J'écoutais un spécialiste l'autre matin, au niveau scientifique, dans les épidémies, et il disait qu'à l'avenir, avec la globalisation, l'imbrication du monde, là, comme on le connaît aujourd'hui, là, tu sais, défaire le tricotage, ça va être long. Là, là on est tellement tricoté serré sa planète que ce genre de pandémie-là va arriver... assez, ça va être cyclique. Ça va être comme les crises économiques, il va y avoir les crises de pandémie. Là. Alors, c'est pas reposant. Moi, j'ai peur de vieillir, on va vous dire. Ça sera pas drôle. Là. Déjà que notre système de santé roulait à pleine capacité, en temps normal, on roulait à 100%. Là on vient d'en rajouter une grosse couche. J'ai peur qu'on s'en aille dans le mur, mais là, on va prendre le temps de relaxer. Là. On va aller voir les petits amis. On va faire une petite zoothérapie. Bon, ben, bye-bye!